Les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale suite à l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La victoire d'El Alamein avait préparé la voie pour l'invasion tant attendue de l'Europe. Le premier ministre britannique, Winston Churchill, et le président américain, Franklin Delano Roosevelt, se rencontrèrent à Casablanca en janvier 1943 pour préparer la campagne d'Italie. Après quelques jours de pourparlers, on décida de commencer l'invasion par la Sicile. Celle-ci était défendue par la 6e armée italienne. Benito Mussolini, premier ministre italien, était commandant en chef des forces italiennes. La campagne d'Italie commença en juin 1943 avec une opération à grande échelle commandée par le général Dwight Eisenhower. Pour préparer l'invasion de la Sicile, plusieurs îles avoisinantes furent envahies par une force regroupant des forces armées britanniques, canadiennes et américaines. Le 11 juin, les troupes italiennes de l'île de Pantelleria capitulèrent face aux Alliés. Les îles de Lampedusa, Linosa et Lampione se rendirent les 12 et 13 juin. La facilité de ces opérations rendirent les Alliés optimistes quant à l'avenir de cette campagne. Et ces îles devinrent des aérodromes et des points de ravitaillement importants pour l'opération Husky, qui allait bientôt être déclenchée. La perte de ces îles eut l'effet inverse sur Mussolini. Il déclara « C'est comme si quelqu'un avait sonné l'alarme, ou plutôt frappé à la porte. » Cependant, les deux camps savaient malgré tout que le plus dur les attendait. Les Alliés allaient devoir lancer un assaut amphibie et aéroporté, en plein cœur de ce nid de frelons.
5 à TAN. Essayez d'éviter les tirs des canons.
Journal de Owen Wright, 15 juin 1943. Je croyais déjà tout savoir, mais aujourd'hui, j'ai appris à faire un boom et zoom. J'ai failli m'évanouir à force de plonger et de remonter. Mais le caporal-chef Tuck m'a conseillé de resserrer les orteils dans mes bottes et ça a marché. Les avions italiens ressemblent à une troupe de léopards. C'est une peinture très inhabituelle, mais étonnamment très efficace. Il était particulièrement difficile de les repérer au-dessus du littoral. Quand nous sommes enfin arrivés à la batterie, j'ai dirigé en personne la formation d'attaque pendant un petit moment. J'étais si fier que je veux devenir chef d'escadron d'ici la fin de la guerre. C'est en quittant la Grande-Bretagne pour la première fois que j'ai réalisé à quel point j'aimais mon pays. La Sicile est très jolie vue d'en haut, mais je donnerai tout pour un des traditionnels rôtis du dimanche de ma mère.